Salut les gens, c'est San, on se retrouve sur Surviving Mars Green Planet au pôle Nord. Alors, c'est tout rouge. C'est tout rouge. C'est vraiment tout rouge. Véhicule détruit. Oh là là, la cata. Hein. Tempête de météores. On va attendre un petit peu avant d'atterrir parce qu'il a rien dedans lui. Donc basta quoi. Hein. Lui il n'est pas tout à fait plein. Les drones utilisent 100% d'énergie en plus, oui. Passer en revue les points d'impact. Il y en a un là. Durée du froid. Alors parce que le froid vient de s'installer. Et fatalement, j'ai pas allumé le radiateur. C'est pas du tout un problème. Hein. Voilà, du coup il n'y a plus d'eau. C'est la cata. Ça c'est la cata hein, de ne pas avoir allumé le radiateur. Hein. C'est... Parce que ça va geler ça hein. Oh putain ce bâtiment a gelé ah. Et personne m'a rien dit. Mais c'est la réserve d'eau quoi. Oh là 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 là. On va tourner sur les réserves d'eau en direct en fait. Ouais. On va tourner sur les réserves d'eau en direct je crois bien hein. Mais eux ils vont pas geler non? Oh je sais pas. J'ai merdouillé. Hein. En même temps, j'avais les fichues tempêtes de météores qui me tombaient dessus. On y va. Lui, il a fini là. Parce qu'une fois par jour, je viens voir ce qui se passe ici, moi. Bon. Ben écoutez, on va continuer. Ah, mais j'aime pas. Il tourne dans tous les sens et puis après, il tourne plus. Alors, on y va. Là. Aplanir. Ok. Moi je voudrais que ce soit complètement plat là. Enfin complètement plat. C'est pas ça complètement droit. Le problème c'est que là je suis droit oui. Trop grand. Ouais mais là je vois pas bien. Est-ce que je suis bien dans la ligne là? Je crois bien hein. Ah ouais, je crois que je suis bien. On va voir ça. De toute façon, on refait plusieurs fois. Hein. Bon, ben, on va voir ce qui se passe. Oi, oi, oi. C'est la cata. Au moins, on va avoir des polymères. Faut me réparer tout ça, là. Ok, là, il va pouvoir dégeler ou il va pas dégeler? Ah, il dégèle. Il dégèle. Trop bon, je récupère mes réserves d'eau. Bon, énergie, moins 150. Hop, 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 hop. Énergie, moins 154. Alors, moi, on me dit que ça gèle en moins de 12 heures. Les trucs, je comprends pas. Ça, c'est des pièces détachées. Ça m'embête. Bah ça tiens on va voir tiens. Froid gel s'ils ne sont pas alimentés. On va voir. Eux ils sont alimentés. Là c'est pareil. On alimente tout que le matin. On va voir s'ils gèlent ou pas. Moins 104 c'est pas terrible hein. Là, ça serait bien qu'ils aillent construire, qu'ils se bougent un petit peu. Alors, évidemment, on va arrêter des choses comme ça qui font que de la... ça, là, par exemple. Wow. Moins 84. Ouais. Hein. On attend un petit peu pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce que je peux couper, là, dehors ? Les oximes, clairement les oximes je peux les couper, mais après s'ils veulent pas redémarrer ou si on n'a pas ce qu'il faut pour les redémarrer, ça va être plus que la cata. Hein. Voilà, on y va. Allez, tempête de météores, on y croit. Oh, bon, là il n'y a rien. Ok. Là il tourne. Moi on m'a dit que c'était, il fallait les alimenter 12 heures. Moi je croyais que c'était 8 heures. Donc on aura les surprises. L'électricité, ouais. Ouais. Mais j'attends de voir là parce qu'ils sont en train de faire à fond là dans les... Ils sont en train de les construire à toute vitesse. Tout ça, ça a été réparé. Jusque là, tout va bien. Hein. Ça, c'est pas réparé. Ça s'est déplacé, les météores. Je pense que je pourrais la faire atterrir. Oui. Alors, ça se lève. Et quand ça se lève, c'est pire. En tout cas, ça gèle pas. Hein. Ça enlève le gel dès que ça se rallume. Hein. Ouais, ça enlève le gel dès que ça se rallume. Donc, j'ai l'impression, hein, en tout cas. Là, ça va très mal. Est-ce que j'arrête de faire de l'eau? Je pourrais arrêter de faire de l'eau. Hein. Alors, je vais appuyer sur contrôle. Je vais les éteindre la journée, eux. Waouh, ça fait déjà beaucoup. C'est très bien. Lui, je vais l'éteindre aussi. Allez, hop. Non, je vais t'allumer. On les réparera, allez, hop. Quoi d'autre? Toi, t'es complètement éteint, ouais. Bah oui, déjà. Alors là ça perd 45, ça serait peut-être mieux de les laisser allumer que l'après-midi plutôt. Ouais, c'est pas génial, hein. On est qu'à plus 5. Hein. On est qu'à plus 5. Hein. Oui, alors là j'en suis très content. L'oxygène aussi, je le coupe. Elle le fait tourner que la nuit. On a vu sur les réserves, hein, tout ce qui peut être économisé. On voudrait pas supprimer les usines, trop, en tout cas. Il faudrait fonctionner normalement. C'est fini là, les météores, oui, ils se calment un peu. Bon bah les deux instituts Hopkins, hein, on m'a confirmé que c'était pas mieux. Voilà, que c'était moins bien finalement. C'est juste que quand on les booste après, ils peuvent avoir un boost de 50%, alors que les autres c'est 25% pour les recherches. Mais j'aurais mieux fait de garder mes petites usines. Bon, bah maintenant c'est comme ça. Hein. Mais ça reste bien dommage. Perte de collaboration 20 en plus. Bon, on a 10% de perte, c'est pas énorme. Ah, mais il y a peut-être moins de perte de collaboration, bien sûr, sur des instituts Hopkins. Et là on n'a que 10% de perte alors que on devait avoir 10 et 20% sur les deux autres j'imagine. À part ça, ceci dit. Voilà, il n'y a plus de météores. On va atterrir. Ouais, c'est pas mal. On a de plus en plus d'anomalies. Alors l'autre, ici. Qu'est-ce qu'il serait prêt à transporter ? Je suis pas prêt à prendre des personnes en plus là pour l'instant. Waouh, 25 martiens. Qu'est-ce qu'il nous manque comme poste? Les emplacements de travail. On a 3 renégats, un nostalgicataire, un touriste. Et 3 emplacements de travail, 9 emplacements de travail libres. Ok. Alors. Là, ici, des scientifiques, ça pourrait être sympa, mais ça serait peut-être bien de nous envoyer aussi des pièces au corps pour survivre et progresser là. Notamment en énergie. Allez hop. On voudrait produire. Le problème, c'est qu'il faut qu'on produise plus. Hein. Qu'on ait moins de maintenance en fait. Donc c'est toujours la recherche qu'il faut qu'on aille chercher pour avoir moins de maintenance. Ça, les fusées cargo. De toute façon on va remplacer les 2 drones qu'on a perdus. On va aller chercher de l'électronique, un petit peu de polymère mais pas trop. Dans des pièces détachées on aura plein de trucs à remettre en route. Ouais, les polymères on aura assez. La bouffe, non, je veux pas en prendre. On va amener des graines, ça coûte pas, on va garder l'argent. Allez, ça prend pas de place. On a bien tout ce qu'il faut là. Allez, c'est parti. Là, ils bossent bien. Ils nous ramènent des polymères, ils nous ramènent des métaux. On en a plein. Moi, les météores, c'est moins pénible que la vague de froid. La vague de froid, je suis encore en négatif. Ça va encore s'arrêter là ou pas? Pas sûr. On va regarder pendant l'hiver ce que ça donne. Toi, t'es prêt à décoller. Mais on va attendre que t'aies des métaux. Donc, c'est pas pour tout de suite. Ici, qu'est-ce que ça donne? Waouh, pas grand-chose, hein. Les agents, là, personne veut le faire. Ça, c'est 600 millions et 30 carburants. Ça pourrait être une bonne chose, hein, d'avancer là-dessus. Mais on avance bien, là, déjà, hein. Pour l'instant, ça gèle pas, hein. Les trucs en tournant... Ah oui, là, on perd 17, mais c'est parce qu'on est en train de faire de carburant, d'accord. Oui. On va avoir les vaporisateurs. C'est quand même un peu la classe. On a le sanatorium, ils l'ont construit. Oh, mais quel bonheur. Auto. Les maladies chroniques et gourmands, c'est vraiment ce qui m'embête le plus, moi. Non, feignant, j'aime pas ça. Hein. Voilà, on va laisser ouvrir tout le temps. Ça serait mieux que ça tourne le matin plutôt que l'après-midi, puisque c'est l'après-midi là qu'on fait ça. Ouais, voilà. Ah, c'est bien le sanatorium. Donc du coup, alors, on y est d'accord que... On est d'accord, on va refuser les traits qui sont soignés. Hein. Alors, traits auto, maladie chronique, feignant. Donc, je peux pas choisir auto plein de fois, non, c'est dommage. Mais ça veut dire quoi, auto? Ça veut dire que ça peut être tout, c'est juste parmi les 6 qui sont choisis. Oh, j'avais même pas vu qu'on avait ça, là. Utilise passage pour les services, accepter les colons. Oh, je savais même pas. Ou permet d'interdire d'utiliser les bâtiments de service dans les dômes reliés. Naissance autorisée. Oh. Très bien. Bon, donc, ici, les défauts, on les accepte. Il n'y a pas de souci. On va partir du principe que les seuls défauts qui vont être soignés, ce sont ceux-là. Alcoolique parieur, gourmand, feignant, maladie chronique, mélancolique. Donc on va les refuser. Alcoolique, parieur, gourmand, feignant, mélancolique. Voilà. Tome suivant. Alcoolique parieur, gourmand, maladie chronique, feignant, mélancolique. Voilà. Dôme suivant. Alcoolique. Parieur, maladie chronique, gourmand, feignant, mélancolique. Là c'est pareil. Alcoolique, maladie chronique, parieur, gourmand, feignant, mélancolique. Et là on les accepte. On les encourage même à venir ici. Voilà. Ok, jusque là tout va bien. Je pense que c'est bon, hein, que c'est comme ça qu'il faut faire. Vous me direz si je fais une erreur. Alors, les nattes. Aïe, 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 la nuit c'est la cata. Est-ce qu'on a décidé qu'il y avait des trucs qui tournaient la nuit? Pas ça. Pas ça non plus. Bon, les deux là ils vont tourner le matin en fait, hein, pas l'après-midi. Bon. On a trop de trucs qui tournent la nuit là. Toi tu vas pas tourner la nuit toi. du tout, t'as été coupé, c'est fini, on n'en fait plus, donc toi tu peux partir. Hein. Quoique non, on n'a rien à... Si, faut aller chercher des colons, pourquoi pas, allez hop. Casse-toi. Du coup, on va pouvoir fermer l'usine d'électronique. Hein, parce que si on n'a pas de... Ça c'est pénible, qu'est-ce qui coûte si cher la nuit? Ça c'est même pas rattrapé. Ah, on fait tourner les vaporisateurs la nuit. Bah ouais, mais il faut bien à un moment ou à un autre faire de l'eau, non? Non, on y va. Moins 103, je suis content. L'oxygène. Pas de souci, on va tomber en panne de tout. Moins 20, c'est bon. Moins 20, ça va gérer. Hein. T'as pas de possibilité de trouver de l'énergie, toi. Hein, t'analyses, tu trouves de l'énergie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. C'est dur quand même, ces vagues de froid. Ça coûte, ça coûte, ça coûte. Est-ce qu'il est pas trop gros, lui? Mais non, il est déjà au mini. Alors. Pour moi, je suis largement bon. Hein. La vague de froid, encore 3 sols. J'ai peur que ça coupe. J'ai peur que ça coupe. Et si j'en faisais encore un tout petit peu? C'est vraiment pas bien de faire ça, mais bon. C'est pas notre... C'est pas notre trip, normalement. Hein. Allez, allez. De toute façon, je vais faire un gros champ de stirling. Je vais les mettre là, dans ce coin-là. Alors, on récupère un tout petit peu. Oh, on a encore fait de l'énergie là. On en a de la chance quand même, mais bon, on fait pas beaucoup de recherche. 662, c'est de pire en pire. Oh là 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 là, c'est une cata. Hein. Ils sont tous où les vieux là? Ils sont tous partis se faire soigner, c'est ça? Dans l'université, ça bosse ou ça bosse pas là? Ah ouais, c'est pour ça qu'on a personne. En fait, ils sont en train de bosser là. Bon, alors dis-moi, je gagne de l'énergie là. On est bien. Hein. Wow. Ouf, c'était la dernière là? C'était la dernière. Toi, tu vas atterrir avec tout ce qu'il va falloir faire pour les réparations. Moins 10 eaux. Ouais, on s'en fiche. On s'en fiche de tout ça. On survit. On survit plutôt bien. Nouveau message, bâtiment non fonctionnel, réseau de drones et restaurant. Ah, restaurant, ouais. Ouais, mais ils vont s'entretenir les uns les autres, là. Il est où mon... Encore une anomalie. Ici? Ah, c'est un météore qui a fait ça. Ok. Ben, super. Les ressources. Là, on est moins 20. On est bien. Hein. On va survivre. On va survivre. Par contre, j'ai l'impression que j'ai une quantité phénoménale de seniors. Un, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a une vedette. Hein. Un groupe d'âge. Pas de filtre. Hors d'état de travailler. Alors les colons sans missiles et colons sans emploi, il n'y en a pas. Colons à problème, il y en a 2. Colons et nostalgidiataire, ok. Et celui-là est un renégat. Oh là là, il va me falloir des agents. Elle a utilisé de transport. Je voudrais spécialisation. Des scientifiques, bien sûr, des agents, des docteurs, des ingénieurs. Mais jamais pas de spécialisation. Ça, c'est juste pas possible. 1, 2, 3, 4. Il en faut au moins 5 des agents. Hein. Là, j'en ai 4, c'est pas possible. Des défauts. Les idiots, je peux vraiment pas les prendre. Ouais. Les autres, je veux bien. On va se passer des solitaires, à condition que ça ne nous prive pas d'un agent. Ça ne nous prive pas d'un agent. Est-ce qu'on va prendre des... Non, on va revenir en arrière. Les agents, on va les prendre. Voilà, les scientifiques, on va les prendre. L'ingénieur. Je me demande si on n'a pas pris des groupes d'âge... Non, on n'a pas pris les âges moyens. Hein. Les ingénieurs, ça serait bien aussi. Hein. Et les scientifiques. 4 scientifiques, 4 agents. Et il me manque un autre agent. Groupe d'âge. Les âges moyens, je les interdis pas. Et voilà, hop là. On y va. 13, hein, d'accord. Non, il y a quelqu'un qui a été choisi là. Agent 5, scientifique 4, ingénieur. Ok, c'est parti. Bon. Il faudrait que... Il faut pas dépasser 123, hein. Faut pas atteindre 123. Sinon c'est le mystère qui se déclenche. Comme vous le savez très probablement. La vague de froid, on est en train de survivre. Pour moi ça passe, hein. Tout est en train de... Alors par contre je confirme que ça a l'air d'être... de pas poser de problème, que ce soit que 8 heures et non pas 12 heures. Ça a l'air de passer. Hein. Encore une anomalie. Hop là. The faint distress signal led us to the burial site of a small satellite. It had fallen deep under the red satellite and could have been there for an eternity. Ok, on verra bien ce que ça donne plus tard. On a de tout là. On a de tout, on pourrait faire des Sterling. Est-ce que je commence mon champ de Sterling ici? Très probablement. Oh! Alors ça c'est bon ça. La fusion comportementale. C'est très bien. Le réseau martien, ça me paraît très bien. On a dit qu'on n'a pas besoin d'aller chercher l'eau puisqu'on vient de développer ça. Hein. Il faudrait faire des petites technologies là. Une toute petite. Plus 10 000, est-ce qu'on pourrait transporter plus de ressources possibles? Mais pas sûr. Et si on faisait ces petits trucs là, il y a bien quelque chose qui serait super intéressant. Tiens, on va faire ça en premier. Parce qu'on a un jalon à les faire, ça serait bien de le faire. La maintenance, la maintenance. On a besoin de minimiser nos maintenances. Ça pourrait déjà être pas mal. C'est pas très cher et c'est pas mal. La production, ça c'est une amélioration, on va pas la construire. D'extracteur. Ouais, ça pourrait être sympa ça, parce que ça coûte rien, je vais le faire ça. Voilà ça. Et ensuite... Amélioration de labo de recherche et institut Hopkins. Voilà ce qu'on m'a conseillé aussi. Avant même le réseau martien. Donc l'amplificateur, distracteur. Oh, les amplifications d'usine. Et distracteur. On va amplifier tout ça. On va faire toutes les amplifications. L'archéologie, on va la repousser après. Elle est où l'archéologie? Jardin suspendu. Augmente les consoles. Alors, on a les dômes. Les bâtiments se construisent sous-sol. Des gisements d'eau, oui, mais non. Les cultures, on verra. Pour l'instant, on n'a pas de soucis. Les dômes, les grands dômes, on a dit qu'on les avait débloqués. Ouais, tout à fait. Allez hop. C'est un moment, il faudra passer à autre chose. Hein. Mais pour l'instant, on doit booster notre recherche. Et faire la terraformation, mais ça, la terraformation, on continue. Hein. On est très bon là, on est très bien. On va faire des... ici, dans ce coin-là, on va faire des stirlings. Je peux en faire 3, je vais les faire. Alors, j'aimerais bien que mes tuyaux soient un petit peu plus propres. Ouais. Alors, les tuyaux, on va faire ici. Hop là. Voilà. Pas du tout ce que je voulais, c'est pas grave, c'est gratos. Ok, je vais pouvoir supprimer les tuyaux. Ok, et on va refaire l'énergie juste à côté. Ouais. Hop. Ici. Ah d'accord. Ouais. Oh c'est pas grave, ça passe. Ok. Là on n'a pas besoin. On va attendre que ce soit construit. En même temps on va faire nos 3 stirlings. J'ai pas lu stirling avancé, j'aurais bien aimé. Voilà. 3 stirlings, c'est 30 en permanence, c'est 6 panneaux solaires en moins, et même 9 sur l'ensemble de la journée. Ça nous permet de continuer à nous développer. La nourriture, on est très bien. Et encore une anomalie. Et pas mal, j'aime bien celle-là. Et on va pouvoir passer outre la vague de froid, hein, mine de rien, tout en ayant progressé pendant la vague de froid. Ce qui est pas mal. Alors attention les pièces détachées quand même au moment de la reprise. Moins 18 c'est super. C'est bon super, on est remonté. Est-ce que je pourrais les faire retomber des astéroïdes? Non mais ça me plairait bien ça. Après j'ai pas les sous. Et ça c'est quoi ça? De l'eau. Ah, de l'eau, tiens, on a déjà 5% d'eau, je l'ai déjà fait une fois, ouais. C'est ça qu'il faut progresser. Et pour ça, il y a une recherche hein, quand même, il faut qu'on en fasse plus, parce que je pourrais pouvoir en gérer plus. Hein. J'aimerais bien booster un petit peu là, ça. Voilà, c'est ça, les usines de geste. Allez, amplification d'extracteur. On va les faire après. J'aimerais bien en faire d'autres. Et que ça aille à toute vitesse là. À 25% il va se passer des trucs. Là il faut vraiment qu'on augmente notre température. Elle arrive là. Ouais elle arrive. On a toujours plein de carburant malgré l'explosion. Super, super. Que du bonheur. Bah oui, avec plaisir, surtout si tu trouves des trucs à chaque fois maintenant. Je vais scanner tout un tas de choses. On aura bientôt fini de scanner. Et on passe du temps sur le... Eh oui. New colonists have arrived. Et on a 10 emplacements. Oui, alors ça c'est super. Amplification d'extracteurs, on va les construire, vous inquiétez pas. Partout. Ça dépend combien ça coûte après. Hein. Oui, bon oui, on va les construire, mais par contre on sera pas obligé de les utiliser, j'espère. Hein. Pour moi, on n'est pas obligé de les utiliser. Les métaux, non. Voilà. Vraiment pas. On doit faire un centre de... Un centre de... Je sais pas quoi là. Un poste de sécurité. Est-ce que je fais péter le petit parc? Bah oui, parce que je fais péter le petit parc. Ah, on m'a expliqué que les épiceries, ça marcherait pas. Qu'ils seraient pas contents. Parce qu'ils n'auront pas accès aux épiceries. Là, on va voir ce qui se passe. Était complet. Le bâtiment de service était complet. Détente. Aucun bâtiment de service disponible. Jeu. Ok. Suivant. Bâtiment de service disponible. Jeu. Le bâtiment de service était complet. Détente. Et ouais, en fait, ils sont complets les trucs. Détente, c'est quoi ça? C'est le petit bar d'espace, en fait, ouais. Ok, mais le problème, c'est que je vais faire, moi. Une archéologie, ici? Où je vais faire travail... Où je vais loger mes petits bonhommes, moi. Parce que le problème, c'est que si je mets tous mes services ici, c'est bien, mais il faut que je loge mes petits bonhommes, moi, il faut qu'ils aillent bosser. Après, je pourrais faire bosser les gens, je pourrais les amener de là à là, quoi. Qu'ils aillent bosser dans les unici en habitant à côté. Les extracteurs, c'est pareil, ça pourrait fonctionner, là. Là, je peux pas relier, là, c'est relié. Là, c'est des enfants, ils ont pas besoin de service. Donc, en admettant que je relie ces deux-là, je pourrais mettre un peu de service ici. Ouais. Alors, faut réfléchir. Faudrait mettre des services ici, en fait. Combien on a besoin de personnes ici? On a 12 personnes qui habitent sur 28. Si je faisais une ferme en moins. Parce que franchement, je trouve qu'on s'en sort très bien avec une ferme. Je peux même la faire péter en cours de route. De toute façon, on est bien. Là, je fais des bâtiments de service et un tunnel. Donc je vais faire une épicerie, un bar et un truc de quoi jouer. Un casino. Et peut-être même supprimer quelques bâtiments. Non bah oui, t'as rien récolté parce que t'avais foiré là, c'est pas grave. Alors déjà on fait le tunnel. Le tunnel s'il te plaît. Déjà on fait le tunnel là. Hop. Ça c'est vraiment pas méchant. Attends parce qu'il faut qu'ils puissent passer par dessus les guignols là. On va faire un tunnel plus long de toute façon. Quasiment sûr que ça change rien. Voilà. C'est très propre comme ça hein. Et là je pourrais faire ça. Mais oui, mais oui, mais oui. Ensuite je vais mettre le jeu, le casino. Oh ça prend tout ça comme place hein. Faut que je vire les logements. Pas grave. C'est pas comme s'ils servaient ces logements. Allez hop. Vous avez de la place ici. Vous avez tout à fait la place. On va faire le casino aussi. Ouais, tu te calmes. Oh, hop, 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 hop. C'est pas anodin ça. Mais c'est pas l'eau du tout. Arrête ton cirque. Faut toujours tout dramatiser. Le poste de sécurité, lui. Ici. Le casino. Ici. Petit bar, épicerie. Alors, barre de l'espace trop grand, petit bar. Voilà, épicerie de taille normale. Voilà. Parce que après tout, ils n'ont pas besoin des services et puis normalement, ils sont pas renégats. Adaptation nocturne. Qu'est-ce que c'est que j'ai pris ça? C'est quoi une adaptation nocturne? Ouais, super. Qu'est-ce que c'était? Amplification d'extracteur, amplification d'usine, j'ai pris. Ah non, c'est un nouveau truc, c'est ça. Plus 20 de productivité pour les colons lors des quarts de nuit. C'est génial, j'ai une nouvelle avancée. Non, c'est pas génial, elle est pas terrible. Mais c'est pas grave, ça fait plaisir. Bon, la vague de froid à 11 h, on va aller jusqu'au bout, hein. On va aller jusqu'au bout et puis on va voir comment on a survécu. Moi je trouve qu'on a bien survécu, on progresse au niveau des services. J'ai 8 emplois non fournis mais 11 qui travaillent pas, donc on est pas mal parce que là on crée des trucs. Un réseau de drones qui veut pas se réparer mais parce qu'il veut pas. Ce serait peut-être un petit peu la priorité quand même de réparer les réseaux de drones. Moi je dis ça, je dis rien, mais... Pour moi c'est censé être la priorité les réseaux. Voilà, je suis très content de mon énergie. Très très content. Là on a fait 3 sterling, on a commencé à déplacer tous les sterling là-bas. Je vais tout mettre là-bas, hein, les sterling. Ça, s'il y a un météore qui tombe, c'est la panique. Ah, non, pas grave. 50% déjà la recherche, ça va vite maintenant. Ah, plus que 800. On est la nuit, c'est pour ça. Allez, la vague de froid, j'ai hâte que tu te finisses là, hein, parce que... J'ai envie de... Et puis la techno aussi là, parce que j'ai envie de faire d'autres usines pour augmenter ça à toute vitesse là. J'ai envie qu'on terraforme. J'ai envie qu'on ait les nouveaux dômes et qu'on fasse un vrai gros énorme nouveau dôme, un méga dôme avec tous les services centraux. Et après on travaillera autour. Et puis on fera des dômes assez lointains pour aller... Les extracteurs, de toute façon je vais plus mettre des gens dedans. C'est terminé, c'est la fin ça. Oh là là, il se passe des trucs là-bas. Allez, c'est fini la vague de froid. Toi tu te coupes. Parfait, les vaporisateurs, vous allez être réactivés tout le temps. Dégivrage en cours, c'est parfait. Ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps. Non, ça marche pas tout le temps. J'ai pas besoin de tout le temps. C'est ça, hein. On va voir plus tard. Allez, hop, au boulot. Au boulot. Je veux plus de gens dans les extracteurs. Voilà, je veux plus de gens dans les extracteurs. C'est terminé ça. Je veux pas l'amplifier. Là il est amplifié. Ok, encore une nouvelle anomalie. Alors, l'énergie, 120, waouh. Le paramètre représente la température de surface globale. Une température plus élevée est nécessaire pour l'eau liquide, les puits de croissance et la végétation locale. La température est augmentée grâce au bâtiment. Oui, d'accord, tu me l'as dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est la contamination! Oh, il est dur celui-là, oh, il est dur! Qu'est-ce que c'est dur la contamination, c'est un des plus durs. Ah, il faut être à fond en recherche là. À fond la recherche. Ah là 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 là. Il faut être à fond. Ah, c'est la contamination. Bon, vous êtes au courant, un Wi-Fi, c'est la contamination, c'est 60% de difficulté, c'est une des plus dures. Eh ben, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à tout de suite pour la suite.